Bonjour. Alors, puisque c'est la saison, on va parler des cèpes. Les cèpes se caractérisent déjà par leur forme, avec un chapeau qui a un diamètre à peu près équivalent à la hauteur du pied, mais pas toujours quand même. Une couleur un peu brune sur le chapeau. Des pores qui, au départ, sont blancs et deviennent verdâtres en vieillissant. Et une chair, si on le coupe en deux, une chair blanche qui ne bleuit pas. On a donc quatre sortes de cèpes. Celui-ci, mais je vais en reparler, qui est le cèpe d'été. On a le cèpe de Bordeaux, le cèpe de pin et le cèpe bronzé. Un cinquième peut éventuellement se greffer dessus, mais je vais vous le montrer après. Alors, ce qui différencie ce cèpe d'été du cèpe de Bordeaux, déjà, c'est que sur la marge du chapeau, il n'y a pas de liseré blanc, contrairement au cèpe de Bordeaux. Ensuite, le pied est couvert d'un maillage, d'un réseau, alors que le cèpe de Bordeaux n'a un réseau que sur le haut du pied. Voilà, excellent aussi, hein. Bien. Alors maintenant, je vais vous montrer ce fameux éventuel cinquième cep. Je rappelle que tous les ceps sont des bolets, mais que tous les bolets ne sont pas des ceps. Hein. Voilà le bolet royal. Boletus regius, excellent comestible, à condition de ne pas le confondre. Le chapeau est voilà, rose, des pores jaunes qui ne bleuissent pas, contrairement au pseudo-regius, au bolet faux royal. Et un pied qui est couvert d'un réseau blanc. Alors ici, il faut le regarder à la loupe, mais de toute manière, il a été un peu mangé par les limaces. Un champignon rare. Et que j'ai eu la chance de trouver ce matin.